L'île Haute, ça n'est pas un livre qui est né d'un projet précis, d'une volonté. C'est plutôt un livre qui est né d'un grand vide, qui a été celui du confinement, dans lequel moi j'ai eu le sentiment que tout ce qui était à ma disposition habituellement, tous les outils avec lesquels je travaille, les recherches, les témoins, le terrain, m'étaient totalement inaccessibles. Et donc c'est plutôt un projet qui est né d'une écoute, puisque la seule matière qui était à ma disposition, c'était moi, et c'était peut-être aussi les fantasmes, les désirs qui jusque-là prenaient la forme d'histoire vers lesquelles j'allais comme un chercheur, comme une chercheuse, avec l'idée d'une quête, vraiment. Et ce qui est arrivé jusqu'à moi, ce sont des sentiments d'enfance extrêmement précieux. La radicalité que représente la découverte d'un paysage et l'accès à la beauté, la manière dont elle nous révèle à nous-mêmes et dont on peut se déplisser en épousant justement ce paysage, ces différentes saisons. Donc là, le personnage central, c'est un enfant de 12 ans qui vit dans un monde sans images et qui n'a aucun précédent dans sa découverte des hautes montagnes. Il est asthmatique, il a besoin d'un refuge, il a peut-être besoin d'une cache aussi. Et il va arriver dans cette vallée dans laquelle on peut reconnaître certaines vallées de haute montagne qui peut-être font écho à celle que moi j'ai connue, mais qui est une vallée imaginaire, que la littérature rend imaginaire, et qui va se confronter à l'extrême étrangeté, à l'extrême nouveauté, à l'extrême beauté de ces reliefs qu'il n'a jamais pu imaginer parce qu'ils sont trop énormes, trop bizarre, trop extraordinaire pour avoir existé ailleurs que dans le réel. Et donc, c'est la manière dont lui-même va grandir en trois saisons dans ce lieu assez fabuleux. Comment son identité va prendre forme, dépasser toutes les assignations qui peuvent être celles de l'enfance, des familles, de l'histoire, de la société. Et c'est peut-être aussi quelque part une réflexion sur le rapport à l'art, parce que quand on est confronté à la beauté, on devient artiste et il n'y a peut-être pas de plus beaux artistes que les enfants qui ont l'imagination comme outil premier pour modeler le réel. Et c'est, oui, c'est ça, je pense, l'histoire d'un émerveillement.